Ouais, mais on va faire quoi avec cette équipe en fait? Et yo tout le monde, c'est Destructor7 et aujourd'hui on se retrouve sur ma toute nouvelle série donc appelée du Bronze Alors. Donc du Bronze Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu une RD1, mais à ma façon, c'est-à-dire on va commencer avec une équipe bronze, donc comme vous pouvez le voir, on passera ensuite à une équipe argent, puis à une équipe or non rare, et pour ensuite terminer une équipe or rare, tout simplement. Donc voilà, je sais pas si vous avez compris parce que j'explique assez mal, mais voilà, ça veut dire ça. Donc on se retrouve aujourd'hui donc avec une équipe France, comme vous pouvez voir c'est une équipe France, hein. On va commencer avec une équipe France, on terminera avec une équipe France aussi. Donc les règles seront quoi les règles? Donc on commence avec une équipe entièrement bronze. Dès qu'on gagne un match, celui qui a eu la meilleure note du match passe en argent. Si on perd, celui qui aura eu la moins bonne note du match passera en une moins bonne carte. Genre s'il est argent en bronze, s'il est or non rare en argent, s'il est or rare en or non rare, etc. S'il est boost or rare, enfin bon voilà, enfin vous m'avez compris. Donc et avec cela on a donc trois bonus, on va dire trois bonus. Donc le premier appelé le bonus bronze. Donc le bonus bronze, ça annule tout simplement le match. Imaginons, je sais pas, si j'ai perdu un match, j'utilise ce bonus bronze, le match est totalement annulé. Ensuite j'ai le bonus argent. Le bonus argent, c'est tout simplement un bonus où alors on a, comment dire, l'équipe, enfin les deux qui ont la meilleure note du match, si je gagne, les deux qui ont eu la meilleure note passent s'ils sont bronze en argent. Enfin voilà, je peux en améliorer deux tout simplement. Et ensuite c'est le bonus du rageux, tout simplement le bonus du rageux. Donc où c'est en fait un petit peu le dernier recours. Un agent, je sais pas, je suis avec une équipe avec deux argent, ou non allez on va dire deux or non rares, et après j'ai que du bronze. Et bah tout simplement je vais faire un match et ça sera le match, en gros un petit peu le match qui dira tout. Imaginons, j'ai CMDC qui est or rare et CMOC qui est or rare aussi, tout simplement. À ce moment-là j'utilise le bonus du rageux, le bonus du rageux qui me servira donc tout simplement à, si je gagne le match, tous les joueurs passent donc en or rare, enfin passent sur la meilleure carte qui soit, et par contre si je perds, ils passent tous avec la carte qui soit la moins bonne. C'est-à-dire si j'ai un joueur bronze, puis après j'ai que de l'argent, et que je perds, je passe en bronze. Si j'ai un joueur or rare et que j'ai 3 bronzes, 4 argent, etc., ils passent tous en or rare. Excusez-moi, en or rare, tout simplement. Donc voilà. Donc j'ai pensé que ça pouvait être une série assez pas mal. Dites-le-moi dans les commentaires si vous, ça vous a plu. Enfin, si vous a plu. Si ça vous plaît comme concept, et dites-le-moi aussi si vous avez pas une idée. Enfin, si vous avez compris en tout cas mes bonus. Donc j'ai présenté rapidement cette équipe. On regarde un Sturzek qui joue à Monaco. C'est la France, hein. Cette année ça sera la France. Donc j'ai acheté pour 600 crédits, voilà, bon il a des stats limite pas du tout correctes, avec 70 de réflexe quand même pour un bronze, c'est toujours bon à savoir. Ensuite on a un défenseur droit très rapide pour acheter, bah, 350 crédits, je l'ai pris pour la vitesse, hein, Sissako. Fontaine, je l'ai acheté aussi pour la vitesse et son physique. Attendez, je l'ai acheté combien lui? J'ai acheté 200 crédits. À côté je l'ai acheté un peu plus cher, c'est Rémi, avec 78 de vitesse et 75 de physique, que j'ai acheté quand même pour 1200 crédits, coûtait un peu cher, hein. Là j'ai acheté Sabali parce qu'il coûtait rien du tout, je savais pas qui mettre, donc bon voilà, 71 de vitesse quand même, ça peut être pas mal. Non, même c'est de la merde, hein. Une défense, je sais pas si ça va tenir. Ensuite on passe à Marc, mais regarde-moi cette gueule de Marc le mec. Ouais, je suis content, putain, j'ai hâte que la série commence. Ah c'est énorme, j'adore sa tête. Bon, par contre 63 de vitesse c'est peu, hein, il coûte pas cher, je l'ai pris aussi parce que de toute façon j'ai pris un petit peu les Français les mieux notés là, j'avais pour le bronze, hein. Ensuite Pléa que j'ai acheté pour 300 crédits, qui est rapide, donc c'est intéressant. Donc on verra. Ici on a Yoda,
à 4 étoiles de technique pour 750 crédits. Par contre, lui, il a 80 de vitesse, 74 de physique, c'est intéressant. On a Yesen que j'avais l'année dernière sur des vidéos que j'ai supprimées, avec 4 étoiles de geste technique aussi, 77 de vitesse, 70 de dribble. Par contre, il a que ça, quoi. Par contre, Yesen a l'air plus engagé que Yoda. Regardez cette gueule à Yoda, le mec. Mais il est blasé, quoi. Le mec, il a pas envie de jouer, c'est impressionnant. Enfin, moi, ça me fait bien marrer, en tout cas. On passe sur Dembélé. Dembélé, bon, je l'ai acheté aussi pour 80 de vitesse. On pourra courir un coup, quand même. Mais regardez-moi sa gueule aussi à lui, putain. Ouais, merde, excusez-moi pour le micro. Regardez-moi cette gueule à lui, putain, c'est assez impressionnant. Le mec, il est là. Et merde, on m'a pris en photo, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Le mec il panique, là, il est là, merde, qu'est-ce que je dois faire pour la photo et tout, c'est assez marrant. Et puis Mopé, ouais, bah Mopé c'est de la vitesse, hein. Lui il est content, lui en tout cas 1300 crédits, Mopé 85 de vitesse, 61 de frappe, c'est assez intéressant pour 3 étoiles de geste technique. Donc voilà, c'est une belle équipe bronze, hein. Donc là, aujourd'hui on va faire un match simple en ligne. Donc voilà, on va faire un match simple en ligne. Tout simplement, hein. Ça va être un match test. Voilà, ça va être un match test qui va pas compter dans la série. Donc voilà. Donc on se retrouve dès que j'ai trouvé un adversaire. Ok les gars, on a trouvé un adversaire. Autant de collectif. Enfin autant de collectif. Moins de collectif que nous, hein. Ok, on connaît aucun joueur. C'est un petit peu bizarre, hein. Non, il y a un Nantais là-bas, je le connais pas. On a l'impression qu'il veut partir sur une Ligue 1. Non, je pense qu'en fait, il vient d'attaquer FIFA, tout simplement. Donc, on va se retrouver, les gars, pour les meilleures actions de la première mi-temps. Tiens, allez. Yesen. Hop là, bien joué, ça. Hop là, bien joué, ça. Dembélé qui court. Dembélé qui court, première action. Dembélé qui s'est bien décalé, la frappe de Dembélé. Ouh là là. C'est Pléa. Centre. Oh non, j'ai fait un tir. Oh là là, les gars. On est chaud, les gars. Oh là là, Dembélé, il a l'air très intéressant. Par contre, ça bug un petit peu, là. Yesen. Allez. Oula. Non, on va pas faire partir Kradok, s'il vous plaît. Ne faites pas partir Kradok. Oh non, il va être sale. Il va être sale, ce but, s'il le met. Ouf, oh là là. Là, c'est les frappes, genre... Oh là là, les frappes dégueulasses, quoi. C'est vrai que ça va être chaud pour marquer un but. Sako accélère. Voilà, Sako tu prends comme ça. Sako tu fais comme ça. Sako bien joué ça. Il est beau. Pléa on passe comme ça. Pléa on revient. Faute penalty. Penalty. Mais l'arbitre Oh non, il y avait penalty là, je pense moi. Il marque, Mopé. On va créer un petit peu de belle action, Dembélé. On a un peu de chance, Mopé, Dembélé. Dembélé qui a vu Yesen partir. Il a vu Yesen, la France qui joue très très bien, Yesen. Oh la frappe. Je voulais qu'il mette une mini frappe. Oula, attends, je bouge un peu le micro, désolé. Je voulais qu'il me mette vraiment une frappe, mais tu sais, genre toute petite à ras et tout. Et au final, ça a donné une grosse frappe de merde. Allez, Dembélé. Il a dû prendre un coup. Allez, Wazaï sur Pléa. Bon, faudrait qu'on arrive à mettre un but parce que c'est bien de dominer, mais on n'arrive pas déjà à tirer. Hein. Là, on a très très bien joué ça. Dembélé, frappe. Oui, c'est le premier but. C'est qui le met? C'est Dembélé, les gars. C'est Dembélé. 80 de vitesse, je crois, les gars. Dembélé. Magnifique but. Magnifique, les gars. Regardez-moi ça. Magnifique passe de Yesen qui fait son taf. Mais petite accélération, frappe à ras du poteau, c'est dedans. 35ème minute du match. C'est bien. Allez, faut qu'on continue comme ça. Je pense qu'on domine quand même. Hein. Je sais pas trop ce que je dis. Tourba dans les lunes, ça veut rien dire. Yoda, allez mon gars. Faut que tu viennes un peu plus dans le match là. Voilà. Oh là là, Yoda. Oh là là, Yoda. 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 Oh non, il était trop beau. Oh non, non, non. Oh, il était magnifique. C'était magnifique comme action, ça. Ça, au moins, c'était de l'action, quoi. Oh là là, Pléa encore une fois. Et on le met mal en termes de gestes techniques, sérieusement, on le met très très mal. Yoda, on te remet la... Non, on te remettra pas la même, finalement. Ouais, est-ce qu'on a quelqu'un? Avons-nous quelqu'un? Non, pas de but, attendez, c'est bon, attends. S'il nous met un but sur ça, putain...
Bien. Je crois que c'est le match le plus long que je vais avoir fait. Player. Non. Oui, ça passe pas. C'est très bien, ça. C'est très 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 bien. Putain, Yoda, il nous a fait une action de malade, le mec. Les gars, je veux que vous likiez à mort pour ce que vient de nous faire Yoda, quand même. Et pourquoi pas Dembélé aussi? Pourquoi pas Dembélé liker pour tout le monde? Pour cette équipe, les gars, pour... Ah ouais, vous devez liker, hein, vraiment pour cette équipe, pour ce concept. Si vous avez aimé le match, si vous, etc. Likez vraiment à mort, les gars. Ça me ferait vraiment plaisir. Vraiment, pour ce début, je fais que des E. Parce que là, en même temps, j'essaye de parler en jouant, c'est assez chaud. Dembélé, vas-y, mon gars. Vas-y, mon gars, montre à quel point tu es rapide, mon gars. Arrête-toi. Fais une passe là pour Yesen. Là pour Yesen. Là pour Yesen. Pour Yesen. Oh, dommage, 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 dommage. Et voilà. Mi-temps. On domine à fond, je pense. Voilà, j'ai 8 tirs, il en a 1. J'ai 6 cadrés, il en a 0. 58% de la possession de balle à 42. Je pense que la deuxième mi-temps devrait bien se passer. On va voir ça tout de suite. On se retrouve pour les meilleures actions de la seconde période. Allez, c'est parti pour les meilleures actions. On va commencer avec une petite accélération de Mopek. On va chercher Dembélé directement. Dembélé, petit décalage avec un peu de chance. Dembélé qui a bien levé son... Faute. On a un coup franc. On a un coup franc, les gars. Allez, musique épique pour ce coup franc. Qui va le tirer? Attends, on va voir si on a un super tireur de coup franc. Pléa. Allez, c'est là. Pléa. Oh, non. J'ai cru, non. Bon, c'est dommage. Allez, c'est pas grave. Une équipe, elle me fait plaisir à jouer. Bon, après, on joue contre une équipe bronze aussi, hein, à côté. C'est pas genre l'équipe or rare avec Loïc Rémy devant, etc. Mais elle fait plaisir à jouer, Mopé. Allez, Mopé. Allez, Mopé. Allez, Mopé. Oh non, mais comment est... Ah, c'était quoi cette action de merde, Mopé? Mais non. Le gardien a été sollicité au moins une fois sur ce match. Allez, Yoda, déjà contrôle. Tu accélères un coup. Tu le repasses comme ça. Un beau contrôle, tu te décales là. Non! Oh là là là. La bêtise! Ah non, je voulais pas qu'il fasse ça, quoi. Je suis deg. Je suis deg. C'est pas grave, allez, Yoda. Je joue sur Yesen. Et oh là là, Yesen, t'as fait la différence, Yesen, t'as fait la différence. Tu mets ce buté. On est tombé un petit peu sur du facile, hein. Enfin entre guillemets, hein. J'ai pas envie de dire qu'il est nul, mais voilà, c'était quand même assez facile, donc ça m'a permis de pouvoir un petit peu tester l'équipe en passant, peut-être quand même. Voilà, là par exemple il aurait pu mettre un but. Il joue beaucoup par contre en accélération, pas beaucoup en passe, mais disons qu'il a pas d'équipe pour faire de passe non plus. Oh là là, le mec, en parlant de ça, il me fait une putain d'action de passe et il me met un but. Voilà, comme ça c'est fait. Oh non. Non, franchement, belle action de sa part, on revoit lui. Faut faire gaffe là, ça doit être sa troisième frappe. On doit faire gaffe quand même, les gars, on doit faire gaffe, pas tomber trop dans la facilité. Le public est en délire de son côté, du mien c'est un peu moins ça. Ils sont pas très très contents, les miens. Enfin, c'est compréhensible, Yoda il est carrément blasé, il s'est pris un but, là il est là. J'arrête de jouer, là ça m'énerve, là je sais pas si vous voyez, les gars, mais non, je peux pas continuer, je peux pas continuer. Et on va le voir trois fois son but. Je crois que c'est son premier but en ligne, tu sais. Ouais. Allez. Allez mec, on va te redéfonce. Par contre, on n'a pas le droit de faire égalité. Allez, 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 les gars. On n'a pas le droit de faire égalité, les gars. On n'a pas le droit de faire égalité. Non, faire égalité serait vraiment trop dégueulasse. Allez, Yesen. C'est Marc. C'est Marc. C'est Marc. Oh non! Mais l'action était magnifique et Marc nous met de ce putain de pied gauche. Il a quoi? Regarde-moi ça! Il est à 1 mètre du but. Comment tu peux mettre une barre? Ah ouais, mais rage quoi, rage, t'as le droit. C'est dégueulasse.
Un compte? Même pas? Non, c'est pas une heure quand même. C'est pas une heure, je sais pas qu'est-ce que je dis. Yesen, en attendant, Yesen! Je le redis parce que je suis content, putain. Regarde-moi ça. Hop là, terminé. Boum, gardien. Boum. Regarde-moi ça, le gardien est totalement... Oh là là, il est totalement nul, le gardien. Le ballon qui rentre dedans. C'est Abdallah Yessen, les gars. C'est Abdallah Yessen. Regardez-moi ça, par contre, les gars. Leur barre de... Ils sont morts, quoi. Ils ont joué qu'un... J'ai pas encore joué avec eux. Hein. C'est leur premier match. Ils étaient à 99 au départ. Et donc voilà, fin du match, enfin, Yesen qui va terminer quand même à mettre le 4-1. On est content, Sourzak est content, il a fait un match de merde tout simplement. Donc voilà, donc un petit match qui compte pour du beurre, c'est dommage parce que sinon là on aurait pu monter déjà notre premier joueur en argent. Mais c'est pas grave, ce sera pour la première fois, pour la prochaine fois plutôt. On l'a ultra dominé, on a vu des joueurs qui savaient pas du tout frapper, des joueurs qui savaient mieux frapper, des joueurs qui savaient bien dribbler, je pense à Yoda. Franchement, on a eu vraiment des putains d'actions. Une équipe qui peut être assez intéressante en termes de rapidité aussi avec Dembélé, c'est putain d'intéressant. Yesen homme du match, deux buts, une passe décisive. Voilà, Yesen qui a été très 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 bon. Par contre, au niveau de la forme, oh, voilà, moins 9 de forme, mec, quoi. Franchement, à chaque match, ça va être chaud. 9 arrêts de son côté, 3 arrêts de la part de Sourzak. 718 crédits de gagné. Voilà, au niveau des stats, tout est dit, je pense. 16 tirs, 12 cadrés, 58 positions de balle. Je pense que tout est dit sur ça. Hein. On a une putain d'équipe bronze pour démarrer, ça va être bien. Bon, après lui, il avait pas une belle équipe, hein, vous allez me dire. Mais en tout cas, moi, ça me fait quand même plaisir. Donc, on va voir. Hein. Ouais, le mec, il a perdu. Ouais, on pourra jouer limite deux matchs avec lui. Puis après, à chaque fois, je vais devoir changer. Donc, ça, c'est l'équipe argent. Ensuite, à chaque fois, j'ai mis les joueurs argent pour que... Ils puissent gagner un petit peu de comment ça s'appelle maintenant de forme parce que je les ai pas tous achetés à 99 de forme donc au moins ça sera ça. Donc voilà bah, c'était ma la première c'est début de série hein. Je vous rappelle on a toujours les trois bonus on a toujours les trois bonus voilà on a toutes ces équipes ne me demandez ne me dites pas imaginons on change prends pour les joueurs or non rare en MDC un tel joueur parce que tout simplement j'ai déjà fait les équipes j'ai déjà tout préparé comme ça j'étais plus tranquille donc voilà bon bah les gars c'était Destructor 7 allez ciao tout le monde.